Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est lundi, lundi c'est unboxing avec la boutique Biggest Craft. Donc ça va être de la broderie. Vous pouvez retrouver d'autres articles également dans cette boutique, mais tout se rapporte au fil. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux broderies, voilà. Pseudo Joy Sunday, hein, vous savez que ce sont mes... C'est ce que je préfère le mieux quand j'ai des partenariats à vous présenter. Alors, ça va être deux bestioles. La première, c'est une tortue. Voilà, une jolie tortue. Alors, elle mesure combien cette jolie tortue? 51 cm sur 49 et c'est du 14 CT. Alors, hop. Comme d'habitude, on va d'abord avoir un patron. Il est en 6 parties. Voilà, voyez. Alors, on a déjà une première partie ici. On a une deuxième partie ici. Là, on a deux pages. Donc, une partie chacune et on retrouve la tête de notre tortue ici. Là à l'intérieur vous allez avoir la légende pour le patron papier et ici derrière vous avez la légende pour la toile. Voilà, donc ça fait partie des nouveaux kits. Maintenant il y a les deux légendes sur le patron papier, c'est beaucoup plus lisible au moins. On a combien de couleurs? 58 couleurs, donc tout que du point de croix et une couleur en point arrière. Voilà. Alors, on va regarder cette toile. Et alors, est-ce que je l'ai dans le bon sens? Non. Voilà notre tortue. Donc, c'est une partielle. Hein. Le fond n'est pas à broder. Sauf que là, bon, il y a des petits points voilà, autour. Mais voilà, il y a juste ces petits points-là qui seront à faire. Mais sinon, ce sera du partiel. Alors, je regarde d'abord. C'est assez bloc. Voilà, c'est assez bloc. Il n'y a pas de confetti, il n'y a pas réellement de confetti, c'est très joli, très bien imprimé, comme d'habitude. Vous allez retrouver la légende autour ici, voilà, mais comme vous l'avez sur papier, du coup, ça va très bien. Alors, je vais vous montrer les fils et pour ça, et puis l'impression de la toile. Et pour ça, je vais me mettre dans l'autre sens. Alors, niveau impression, voilà. Ça a l'air d'être bien imprimé. Alors, ah, bien sûr. Allez, voilà. Alors, est-ce que c'est bien centré, l'impression? Oui, 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 c'est très bien centré. Donc, ça va. Des fois, il peut arriver qu'il y ait un décalage. Et là, c'est vrai que c'est embêtant, mais là, non, ça va. C'est très, très bien centré. Allez, on va découvrir nos fils. Ils sont sur... Pardon, je vous redézoome. Voilà, ils sont sur les plaquettes que l'on aime bien. Donc là, en bas, c'est le numéro et la couleur, la référence DMC et ici, le nombre de fils dont vous avez besoin pour broder votre ouvrage. Donc, quand c'est marqué 0,5, bien sûr, vous avez un fil complet. On a ici nos deux aiguilles, comme d'habitude. Voilà. Et on a donc de jolies couleurs, je vois déjà. Hop, bien là, toi. Voilà. Alors, on va avoir pas mal de bleu. Hein. Là, on a un gros paquet de... c'est pas le vrai blanc, hein, c'est le 38-65, vous voyez.
de l'autre côté. Et hop, hop, hop. Voilà. Donc encore des bleus, des violets, des verts, avec des jolis fils bien brillants. Ici, alors du noir, on en a pas mal quand même, là, je vois. Voilà, encore des bleus, hein, des violets. Vous voyez, le noir, on a un gros paquet. Le noir, il y a combien de fils? 15 plus, alors 18. Il y a 18 fils de noir. Et le dernier. Attendez, je vous ai montré comment. Ouais, non, si le dernier, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Hop! Éviter de faire des nœuds. Donc voilà pour ce kit. Alors, il est au prix. Alors, attendez, j'ai enfoui mon carnet. Voilà. Il est au prix de 10,99 $, soit 10,31 €. La deuxième broderie, toujours un pseudo Joy Sunday, donc qui s'appelle Cross-Stitch. Et voilà, un joli hibou avec des beaux yeux. C'est un 14CT qui fera 41 sur 41 cm. Donc, c'est le Hall 17. Donc, il y a peut-être d'autres modèles. Voilà. Alors, on va l'ouvrir déjà pour regarder. Ouh là là. Alors, je fais. Oh là 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 là. Je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que je vais rediscuter avec Ginif. Alors, c'est un. Alors, le patron papier est en 6 parties. Voilà, comme ceci. On a donc. Et on a combien de couleurs? Mon Dieu! Jennifer, si tu passes par là, t'es sûre que tu veux le faire? Je vous explique. Alors, il y a 88 couleurs. 88. Bon, c'est vrai que c'est pas, les couleurs ne devraient pas me faire peur puisque je fais des HAED. Mais c'est le. Le comment? La toile qui me fait peur. Alors, voilà. Une première partie, une deuxième partie. Voilà, deux parties. Et ici, le reste du patron. Donc ça, c'est super bien imprimé, il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, ça me paraît moins confetti sur la version papier que sur la version toile. Wow. Oh là 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 là. Pouh. Oh purée. C'est confetti à mort. Pas. Oh non, non. C'est confetti à mort. Alors, je vous montre déjà comme ça. Voilà. Alors, tout ce qui est vert, ça va être en noir. Je pense que c'est du noir. Voilà. Mais là. Pouh! Alors, on va regarder l'impression de plus près et après je vous montre les couleurs.
Alors, hop, on va se mettre de plus près. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est du costaud là. Je vous montre là-haut aussi. Voilà. Donc, c'est confetti à mort. Bon, il y a les petits blocs hein, quand même. Mais le reste est. Waouh! En plus, je suis en train de regarder. Alors, regarde. Et là, on a des ronds. Là, on a un zigouigoui que je ne sais pas ce que c'est. Là, on dirait des deux. Tout ça est en rouge. Alors, attendez, où est-ce que je peux trouver ce zigouigoui? Ouais, en rouge, il y a des cailles, il y a des flèches, il y a des. Ah oui, ouais. Donc, il y a un 2, il y a le rond. Donc, l'autre que je disais, ben, c'est. Il est où? Il est là. C'est un K. Oh non, non, mon Dieu. Ah là, j'ai. Autant j'adorais ce dessin. Ouais, non, mais ça bave, hein. Ça, l'impression, elle est baveuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouh. Regardez, même les ici. Un trait oblique, une croix. Là, c'est une croix comme un plus. Là, faut deviner ce que c'est. Waouh. Je vais revoir avec Jennifer parce que on devait le faire en duo. Mais là, ouais. Alors. Et pourtant, sur le format papier, vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Voilà, là, c'est beaucoup plus clair. Ou alors, à moins de laver la toile et de la faire en point compté. Parce que là, bon, c'est déjà, c'est toujours confetti, d'accord, bien sûr, c'est normal, mais c'est beaucoup plus clair. Je sais pas, je vais voir avec Jennifer, je vais vous en reparler de toute façon. Voilà, bon, je vais vous montrer les couleurs. Alors, on a toujours nos toiles. En plus, il y a un nombre de fils incroyable. On a toujours nos deux aiguilles. Voilà. Hop. Voilà. Bon, les couleurs sont très belles. Attendez, j'en ai un qui est coincé là. Hop. Voilà. Ensuite. Oh là 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 là. Je patauge. Voilà. Voilà. Ici.
Et la dernière plaquette, tout aussi pleine. Et derrière, pour terminer, alors du noir, on a 15 plus 8, donc 23. Voilà, vous voyez, le gros paquet de noir. Voilà. Bon, niveau des couleurs, ça va, elles sont belles. Mais là, au niveau de l'impression, je vous remonte le dessin d'origine. Voilà. Il est joli, hein, comme ça. Mais je ne pensais pas qu'il était autant confetti. Je ne pensais vraiment pas qu'il était autant confetti. Donc, je vais revoir, je vous dis, avec Jennifer de la chaîne Mouflette, Papotage et Bricole, ou alors c'est dans l'autre sens. Mais je vous remets le lien de sa boutique. Hein. Et voilà. Ça m'a un peu refroidi un petit peu, mais bon. Alors, elle est au prix de 10,99 $ et soit 10,31 €. Voilà. Bah, écoutez, moi, je remercie beaucoup la boutique Biggest Craft, voilà, de m'avoir permis de choisir des articles dans leur boutique. Moi, je vous remercie tous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces pour montrer que vous avez aimé. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.